De retour sur le plateau de la grande édition, l'heure est maintenant à l'échange et au débat. Comme tous les jeudis depuis quelques temps, nous parlons effectivement de l'Afrique noire et à cet effet, nous recevons Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Bonsoir monsieur Omotunde. Bonsoir. Donc avant d'en venir à notre thématique qui sera un petit peu basée sur la religion, à quel point elle a été blanchie et comment elle a servi pour la manipulation géopolitique, pour à des fins vraiment géopolitiques, on va faire un petit point sur l'actualité. Sommet de Davos, donc en ce moment tous les plus grands chefs d'État, les PDG, les plus grands noms de la finance sont rassemblés en ce moment même à Davos, donc dans une station de ski en Suisse, pour discuter de l'avenir du monde, effectivement de comment sauver la planète entre guillemets. Et cette année effectivement ils ont pris une thématique attendez que je me retrouve, construire un avenir commun dans un monde fracturé. Alors on est quand même à la 48e édition de cette rencontre à Davos. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux tout ça? Non, je pense qu'aujourd'hui les choses sont quand même beaucoup plus claires en termes d'intentions réelles, hein, et d'intentions masquées. Les intentions masquées, les intentions réelles, je pense que tout le monde aujourd'hui voit bien la ligne de démarcation. Vous savez, on a des multinationales qui sont constamment en train d'inventer des modes de production agricole avec des engrais chimiques, des fruits qui vont pousser en hors sol. J'ai participé moi-même à une réunion où il était question d'essayer carrément d'avoir un oranger, c'est-à-dire des arbres fruitiers, mais l'oranger ferait directement le jus sans passer par le fruit. Mais faut voir les choses aujourd'hui. On transforme les conteneurs en terrain d'agriculture, c'est-à-dire on va cultiver par exemple des fraises à l'intérieur des conteneurs en faisant de la lumière artificielle pour imiter la lumière du soleil. Donc on voit bien qu'on est dans une espèce de dérive, puisque ce qui est en fait le maître mot, c'est la problématique économique. Voyez, parce que qu'est-ce qui menace la planète, si ce n'est que des intérêts économiques totalement débridés et avec des gens qui ont fait de la cupidité un mode de fonctionnement géopolitique. Ça, il faut se le dire clairement. On se rend même compte à l'heure d'aujourd'hui que, bon, c'est chiffré, donc 47 personnes, les 47 personnes les plus riches de ce monde détiennent autant de richesses que, on va arrondir à 4 milliards de personnes. On voit bien qu'on est dans une espèce de dérèglement. Mais il faut savoir qu'il y a quand même une chose, hein. Dans notre tradition, il est dit que l'univers est un système organisé qui ne supporte pas la désorganisation, ni à long terme, ni à grande échelle. Et je pense que vous allez assister, on parle de dérèglement climatique et compagnie, il faut savoir que la Terre est le reflet, c'est-à-dire c'est le miroir de ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Et les dérèglements que nous voyons, que ce soit sur le plan climatique et autres, ben ça nous permet d'avoir la température du cœur des hommes, c'est-à-dire le respect accordé à la vie dans son ensemble et d'une façon générale. Et on voit bien qu'on y est vraiment très très loin. Et la chose, c'est que vraiment, on ne peut pas faire ce genre de réunion en essayant de créer une production agricole artificielle. Et ça, c'est un vrai problème de fond. Mais ils partent sous fond de pouvoir sauver l'humanité, parce qu'effectivement, les terres agricoles sont de moins en moins présentes, qu'il faut trouver de nouveaux modes de culture plus économiques. Non, je pense que ça, c'est une escroquerie intellectuelle. Cette affaire de « on ne peut pas nourrir toute la planète », c'est totalement fou. Vous savez que déjà la taille de l'Afrique n'est même pas la vraie taille. Oui. Alors ce qui veut dire qu'en surface au sol, il y a du sol pour donner à manger à toute la planète. Si vous pouvez faire rentrer tous les pays dans la configuration du continent africain, c'est que vous avez de quoi donner à manger à tout le monde. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc déjà, ça montre que déjà c'est fou. Puisque on vous dit on met les États-Unis, on met l'Europe, on met la Chine, et il y a encore de la place, hein, pour mettre encore l'Australie et compagnie. Vous mettez toutes les terres de la planète dans le continent africain. Je crois même que la Russie rentre entièrement. Oui, la Russie rentre entièrement. Plus la Chine. On a vu les chemins. Donc ce qui veut dire que l'Afrique à elle seule a de quoi nourrir toute la planète. Sauf que lorsqu'il y a eu les conférences de Bretton Woods et compagnie, on a interdit à l'Afrique de subvenir à ses besoins sur le plan agricole. Et toute la production africaine est une production de haut de gamme qui est envoyée en Occident, ça il faut le savoir.
Et quand on voit, par exemple, que le président sénégalais tape du poing sur la table en disant « mais il faut qu'il y ait une production qui reste quand même au Sénégal, le Sénégal fait du riz, le riz est de haut de gamme et il part », alors que normalement, il y a quand même une couverture des besoins qu'il faut pouvoir faire sur le marché local. Sankara avait soulevé ce problème-là en son temps. Producteurs de coton, ils étaient producteurs de coton. Moi-même, j'ai fait un bus Yaoundé à Douala, au Cameroun, je n'ai pas vu un seul champ cultivé. Et pourtant, vous traversez pendant des heures et des heures donc un territoire qui pourrait servir à l'agriculture. Il faut savoir que tous ces territoires-là, avant l'arrivée des Portugais au XVe siècle, servaient à l'agriculture. Ce sont des anciennes terres agricoles qui étaient là. Et qu'aujourd'hui, à cause des intérêts économico-financiers mondiaux, on a décidé quoi ? On a décidé que l'Asie allait produire du riz. Voyez l'affaire ? Parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe. L'Asie produit du riz. Vous avez les États-Unis qui vont produire du blé, voyez. Donc on va produire, et l'excès va être racheté par des organismes comme la FAO pour pouvoir être mis à disposition des pays. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et le pays doit encore donner des subsides pour bénéficier de cet excès. La chose, c'est pourquoi on force un pays à récupérer l'excédent de l'autre, alors que ce pays a de quoi faire. Et l'agriculture, c'est quand même le fait de pouvoir avoir des paysans et d'occuper les gens à la production locale et endogène. Maintenant, le deuxième problème qu'il faut voir dans cette affaire-là, c'est que, regardez bien, on parle d'un continent africain qui a plus de milliards d'individus, mais où sont les machines agricoles pour cultiver les terres? On vous montre des images de gens qui sont courbés dans un champ en train de labourer le champ à la main. Il y a, à l'ère des tracteurs, à l'ère de toutes ces machines-là, il n'y a pas une machine pour faire ça. Et il y a la FAO. On vous dit, il y a la FAO, il y a la Banque mondiale, il y a tout ça. Et tous ces organismes-là, ça, on voit quoi ? Un petit couteau pour retourner la terre ? Vous voyez pas que c'est pas sérieux ? Ou bien ils vous envoient directement le riz. Mais oui, vous envoie directement le riz. Donc on voit bien que nous sommes dans la prédation économique. Nous sommes même pas dans des relations, je dirais, de pays à pays. Il n'y a pas de coopération. Il faut arrêter ces mots-là, ça n'a aucun sens. C'est des coquilles vides. Il n'y a pas de coopération, il y a du vol organisé. Vous voyez ? Du vol organisé, organisé aussi avec de la pression militaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'armée française est déployée magistralement en Afrique, et beaucoup d'armées, on voit que les États-Unis aussi essayent d'installer des bases militaires, on voit bien ce qui se passe. Et on vous parle après de djihadisme, mais le problème c'est qui a distribué les armes. Mais justement, la France et l'Angleterre, qui à l'époque, donc du problème de Kadhafi, distribuait des armes allègrement dans le site de la Libye, et des armes et des munitions. C'est-à-dire, s'ils avaient donné des armes sans munitions, bon, l'affaire n'aurait pas été aussi grave qu'elle est aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'ils ont donné des armes et des munitions. Et ces armes et des munitions, tout simplement ravivé les velléités de population qui avaient aussi des revendications à faire. Bon, on a mis un petit peu aussi de l'huile sur le feu. Et la problématique se pose au moment où on parle. Au Tchad, visiblement, il semblerait qu'ils aient demandé le départ, enfin qu'ils souhaitent le départ de la base militaire française. Ouh. Mais effectivement, on a prévenu le président tchadien que ce ne sera pas une mince affaire de faire décoller les Français. Mais que concrètement, un pays étranger n'avait rien à faire, n'avait pas posé sa base militaire en terre africaine, c'est-à-dire sous quelque raison que ce soit. Le problème, c'est que vous imaginez que vous avez affaire du commerce international avec des militaires chez vous, sur lesquels vous n'avez aucune latitude. C'est quoi cette affaire ? Vous voyez, c'est le problème du Mali. Le Mali a besoin de bâtir des relations internationales pour pouvoir son développement économique. Et vous avez des militaires qui sont déployés et vous n'avez pas d'action sur ces militaires-là. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Vous êtes en territoire occupé chez vous. Donc c'est ça les problématiques de fond. Parce que je veux bien qu'on nous raconte des histoires, mais à un moment, on voit bien que ce sont des fables. Puisqu'on voit bien qu'il y a la contradiction. C'est-à-dire, c'est dur de tenir la durée sur le long terme, c'est-à-dire de tenir l'argument sur le long terme. Moi, j'ai toujours soulevé les mêmes problématiques. La problématique, c'est l'idée d'envoyer l'armée installer la démocratie en Afrique. Quand l'armée est envoyée, c'est-à-dire quand l'armée française est envoyée en Afrique, la décision n'est pas démocratique. C'est une petite cellule à l'Élysée qui prend la décision de faire décoller les militaires au Bourget en pleine nuit pour que personne ne voit. Et c'est 2 mois après qu'on vous dit que voilà, il se passe ça parce que les militaires ont été envoyés. Si c'était une armée démocratique, pourquoi on n'en discute pas à l'Assemblée nationale avant pour dire voilà, nous envisageons d'eux. Alors la chose, c'est que tous les pays européens savent très bien que la France fonctionne comme une monarchie vis-à-vis de l'Afrique. Parce que c'est le seul pays européen où quand il y a une intervention en Afrique, ça passe pas par l'Assemblée nationale. La Hollande ne peut pas le faire, l'Allemagne ne peut pas le faire, l'Angleterre ne peut pas le faire. Il n'y a aucun pays européen qui peut envoyer son armée en Afrique sans que le Parlement à l'Assemblée soit au courant.
Il n'y a que la France qui fait ça. Et ça, ça remonte à la France-Afrique avec les Focard et compagnie. Vous voyez, je veux dire par là. Et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors après, venir dire qu'on va maintenir la démocratie, on va installer la démocratie ou parler de démocratie, alors que la décision n'est pas démocratique, il faut quand même arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous voyez, je veux dire par là. Et ça, c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Maintenant, la chose, c'est qu'on voit que on a transformé les relations internationales en relations de prédation militaire. C'est-à-dire qu'on voit bien que nous ne sommes plus dans des échanges internationaux. On voit bien que constamment, il est question que d'armement militaire et compagnie. Et de coups de pression, on avait Kim Jong-un et effectivement Donald Trump. Voilà, qui essaye de faire monter la sauce en disant que. Et qui fait que, on voit bien aussi que ça révèle quoi ? Ça révèle que les Occidentaux sont conscients de leur domination sur le monde par l'arme nucléaire. Et qu'à partir du moment où leur domination est remise en question par un pays, peu importe sa taille, peu importe son nombre d'habitants, qui décide de rentrer dans le cercle de ceux qui possèdent la nucléaire, on voit tous les remaniements, on a l'impression que plus personne ne dort tranquillement, alors que le gars n'a jamais dit qu'il va attaquer quelqu'un. Mmh. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Donc l'Occident a le droit de venir faire des tests de bombes nucléaires en Afrique, des tests de bombes nucléaires dans le Pacifique ou dans le désert du Texas, mais la chose c'est que quand c'est un autre pays qui dit « ben moi aussi, je veux pouvoir à mon développement et me protéger », ça devient un problème pour tout le monde. L'Iran a eu le même problème. Mais oui, ça devient un problème, et jusqu'à aujourd'hui. Mais la chose, c'est qu'on voit que l'agenda militaire et politique américain vis-à-vis de l'Iran a été ouvert à une époque où il n'y avait même pas de problème avec l'Iran. Exact. C'est-à-dire l'Iran est devenu une cible stratégique, tout simplement pour défendre une chose qui est le dollar. Parce que aujourd'hui, beaucoup de nations disent que compte tenu du fait que les États-Unis c'est le pays le plus endetté au monde, on ne peut pas utiliser la monnaie américaine pour gérer les transactions internationales. Et c'est ça qui explique que Bush est descendu voir ses amis arabes pour leur faire acheter près de 500 milliards d'armements militaires, de manière à faire en sorte qu'en fin d'année, le plus grand nombre de transactions financières réalisées dans l'année soit en dollars. Et on voit bien qu'aujourd'hui, et ça a été le problème de Kadhafi, c'est le problème de beaucoup d'autres nations, qui disent mais on nous demande d'avoir une rigueur financière pour pouvoir avoir donc des rapports internationaux basés sur une certaine plateforme d'équilibre, mais ceux qui demandent ça n'ont aucune rigueur financière. C'est-à-dire qu'ils organisent leur désorganisation financière, ils font des crises comme bon ça leur chante, on fait monter ou descendre le prix du baril du pétrole, enfin on s'amuse quoi. Vous voyez, on met les chefs d'État sur écoute quand ils font partie des BRICS, tout simplement parce que les BRICS menacent l'intégrité économique américaine. Mmh. Et c'est ça qui se passe. Comment voulez-vous que... Vous allez me dire que Lula, machin... Lula, un rapport d'activité moins important que Sarkozy ? Il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Non, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles il faut être relativement clair. Parce que la problématique, c'est que vous savez que le rapport de densité de population entre le Nord et le Sud, mais c'est effrayant. C'est-à-dire si vous avez 1 milliard de population dans le Nord, vous avez près de 5 à 6 milliards de population dans le Sud. Et ces 5 à 6 milliards de population dans le Sud, vous voyez, ont toutes les matières premières pour fonctionner, mais ils sont complètement sous occupation à tous les niveaux. C'est-à-dire sous occupation spirituelle. Si tu pries, il faut prier le dieu de l'étranger qui est au Nord. Vous voyez l'affaire, sous occupation éducationnelle, ton manuel scolaire a été édité au Nord, t'as pas un manuel scolaire qui raconte l'histoire de chez toi, tu deviens expert de l'histoire des autres, mais tu connais rien de ton histoire toi-même, vous voyez ce que je veux dire par là, et tout est comme ça, prenons le problème du droit juridique. Le droit est né dans les pays du Sud. Tout le monde sait que l'Égypte, c'est l'inventeur. C'est même le droit romain vient de l'Égypte antique. Il y a un historien français qui a écrit un livre là-dessus, l'origine égyptienne du droit romain. Vous voyez l'affaire ? Mais la chose, c'est qu'on va faire un droit corrélé à des intérêts économiques. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Et après, c'est comme les dictionnaires. Le gars, il te dit que la définition dans le dictionnaire, ça veut dire ça. Mais qui a fait le dictionnaire ? Est-ce qu'on a réuni les peuples de la planète pour dire ben, on va trouver ensemble la meilleure définition qui convient à tout le monde ? Non, tu as des Occidentaux qui se réunissent, qui décident d'une définition qui convient à leurs intérêts, machin, et qui t'imposent leur définition. Et le résultat, c'est que tu crois que vraiment le mot coloniser, c'est un acte positif, quoi. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Parce que c'est ça. Mais il y a un moment, il faut bien comprendre à quel jeu chacun joue.
Parce que la chose, c'est qu'il faut quand même faire comprendre à ceux qui dirigent le monde et qui sont le groupe des cinq personnes que ça ne peut pas durer comme ça, mes chers amis. Il faut se fixer des limites parce que ouais, si, vous n'en avez aucune. S'ils se rencontrent effectivement chaque année pour soi-disant résoudre les problèmes de pauvreté, les problèmes environnementaux au niveau mondial, bon, peut-être qu'il faut autre chose. Et pour prendre le cas de la France, qui nous concerne plus ou moins directement, une fois que les 15 États qui sont encore sous la coupe du franc CFA sortiront éventuellement et se regrouperont pour une Afrique unie, qu'est-ce que la France fera ? C'est-à-dire que, à part s'exercer militairement, vous voyez l'affaire. Parce que le problème, vous savez, hein, le problème, il est important. Il faudrait prendre une démission pour discuter de ça. Parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire quand même pas mal d'échanges avec les Français, même des conférences sur ces questions, même à Sciences Po et compagnie. Est-ce qu'ils admettent à Sciences Po que 50 euros, sur 100 euros dans la poche d'un Français, 50 euros, voire peut-être même plus, sortent d'Afrique ? Est-ce qu'ils acceptent ce concept ? Il faut savoir que déjà, un étudiant de Sciences Po ne connaît pas grand-chose. Il ne connaît pas grand-chose. Regardez comment la politique étrangère est traitée. Elle est traitée en faits divers. C'est-à-dire qu'elle est traitée en faits divers. Pourquoi elle est traitée en faits divers ? Parce qu'on sait qu'il y a toujours une multinationale occidentale derrière la réalisation de la chose. Il y a un fait, mais qui est à l'origine du fait ? C'est une multinationale qui organise ses affaires chez les gens. Bon, maintenant la chose, c'est que compte tenu du fait que ces multinationales financent les médias, mais les médias ne peuvent pas venir les mettre donc en avant en disant « mais regardez ce que vous faites de pas bien ». Donc il y a une espèce de jeu machin. Je vous dirais qui est-ce qui m'a dit ça ? C'est Patrick Poivre-Tarvor. Hein. C'est pas de Tarvor même qui, dans un échange, m'a dit « le problème c'est que ces grandes multinationales font partie des holdings et les holdings, ce sont nos clients au niveau des pages de pub ». Donc on peut pas invectiver, je parlais de problèmes précis, qui était le problème de Nestlé. Et je lui avais posé la question par rapport à Nestlé. Et c'est là qu'on avait ouvert un grand débat. Donc, dernièrement, on a eu Lafarge qui était accusé de financer le terrorisme voilà, aussi. Totalement. Mais la chose qui se passe, et qui, je dirais qu'il faut arriver à bien comprendre, c'est que nous sommes dans une situation où des pays du Sud ont des matières premières et les pays du Nord ne veulent pas payer les matières premières qu'ils viennent prendre. Mauvaise habitude. Voilà. C'est-à-dire que si on faisait des relations économiques, c'est-à-dire que, par exemple, le Nigeria fixe le prix de son baril de pétrole, et quand l'Angleterre et les États-Unis, la France viennent acheter le pétrole, ils fixent, ils payent, et c'est eux qui gèrent l'argent, machin. Mais où serait le problème ? Il n'y aurait pas de problème. Après, on vient vous parler des Boko Haram et compagnie. Mais c'est des phénomènes nés d'une prédation dans l'échange commercial. Et ce sont les conséquences. D'ailleurs, c'est la manifestation de la prédation qui montre que là, il y a un bobo qui s'appelle Boko Haram. Vous voyez l'affaire ? Après, on va essayer de lui faire porter le chapeau. Mais c'est la conséquence de quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Et c'est ça, les problématiques de fond. Parce que malheureusement, on s'aperçoit, et beaucoup de choses partent en vrille aujourd'hui à travers la planète, mais les gens qui disent on a trouvé un minerai sur ma terre, j'ai quand même le droit de toucher des intérêts sur l'exploitation du minerai. Ça paraît évident. Si on trouve quelque chose dans le jardin de quelqu'un aux États-Unis, regardez comment ça se passe. La personne n'a même plus besoin de travailler. Il y a des machines dans son jardin qui exploitent, mais il touche les royalties. On regarde pour les Qataris. Les Qataris qui n'avaient pas grand-chose, qui ont trouvé du pétrole et qui sont maintenant les rois du monde. Bon, maintenant, imaginez que vous êtes à Ouagadougou, vous êtes dans votre terrain et on trouve une mine de, disons, un puits de pétrole. Vous pensez que vous avez compris que il y a déjà un certain nombre de phénomènes qui vont se passer et le but du jeu pour vous ce sera de rester en vie. C'est-à-dire ne parlons même plus de terrain, essayez de rester juste de rester en vie. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc on en est là. C'est ça la problématique. La problématique c'est la prédation. Maintenant qu'est-ce qui se passe ? C'est que les jeunes ne sont pas au courant de la réalité du monde. Parce que les médias leur présentent l'action des pays occidentaux comme étant une action toujours positive. Alors que c'est une action à double tranchant. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Et quand on commence à rentrer dans le détail, c'est-à-dire à rentrer dans le fond de la réalité, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que vous avez... vous voyez bien que les enseignants sont un peu gênés, ils essayent de refaire de la reformulation, on essaye de faire passer la pilule. Moi, je fais des interventions, des fois, dans des écoles en Europe. La direction de l'établissement m'a dit « Oui, mais écoutez, essayez de passer quand même un peu la pommade.
ne dites pas les choses telles qu'elles se sont passées vraiment, essayez d'édulcorer un peu la réalité. Vous voyez, parce que les gens savent très bien que la réalité n'est pas belle. Et ils savent très bien qu'ils sont responsables de cette réalité. Mais vis-à-vis des jeunes générations, leur jeune génération, ils veulent faire croire qu'ils étaient Batman et Superman. Est-ce que vous voyez l'affaire? Et donc, la chose, c'est que voilà comment les choses commencent généralement. Et il faut amener les gens à changer. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'on fait croire aux habitants des régions nordiques qu'en dehors de la prédation, ils seront dans la pauvreté. Vous voyez l'affaire? Donc, ils cautionnent des systèmes de prédation parce qu'ils se disent, mais autrement, on aura quoi? Vous voyez l'affaire? Je me demande même s'il se pose la question... Non, parce que je vois bien, vous savez, on a fait des débats, moi j'ai été relativement clair. J'ai fait une conférence à Montpellier. Il y avait les autorités qui étaient là. Je leur ai expliqué quelque chose de très simple. Je leur dis, moi, quand j'ai quitté la Guadeloupe pour venir faire des études commerciales, les études de cas que je faisais, c'était des sociétés françaises. J'ai terminé mes études, j'ai commencé à travailler, je me suis posé la question, mais que sont devenues toutes ces sociétés que j'avais étudié à l'époque où je faisais ma formation. Et je me suis rendu compte qu'aucune société n'existait. Mmh. Toutes ces sociétés-là avaient disparu ou avaient été délocalisées en Asie du Sud-Est. Bon. Et la chose, c'est que je leur expliquais qu'on fait croire aux gens que sans l'Afrique, il n'y a pas d'Europe, alors que déjà l'Europe sait très bien se dépouiller tout seul pour perdre toutes ses sociétés. Et qu'on essaye de bâtir des systèmes de relations opaques avec l'Afrique, pour sauver un système qui est de toute façon parti à volo. Et que si déjà vous êtes aujourd'hui en train de voir des responsables politiques se battre pour le Made in France, je tiens quand même à dire qu'à l'époque où moi j'étais étudiant, il y avait le Made in France, c'était une évidence. Hein. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? Mais on se demande comment ils ont perdu ça de vue déjà. Mais c'est eux-mêmes qui ont organisé leur délocalisation. Mon voisin... Hein, était quelqu'un qui organisait la délocalisation des sociétés françaises. Et il m'a montré les contrats, il m'a montré les documents. C'était mon voisin, c'est un Français, mais qui organisait et qui disait, je garantis sur contrat 40% de réduction des coûts fixes avec la délocalisation. Mais attention, le gars délocalisé, c'est vendredi, tu dis à tes salariés, au revoir, lundi matin, le salarié arrive, il n'y a même plus de société, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, en un week-end, les gars ont déjà installé les machines à l'autre bout du monde. Vous voyez ce que je dis par là? Et le chef d'entreprise n'a même pas informé ses salariés que c'est la dernière fois qu'il voit les meubles, les machines et les voitures dans la société. Donc, moi, j'ai quand même, je parle pas de choses que j'ai entendues, j'ai quand même vu un nombre de choses. Vous voyez l'affaire? Et j'ai eu quand même un voisin qui faisait ça. Mais quand je vois, on vient dire oui, on comprend pas comment les sociétés se délocalisent. Parce qu'il y a un problème, tout simplement, de recherche de coût de production le plus bas. Et regardez, la Chine aujourd'hui délocalise où? Elle délocalise en Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, le salaire moyen, c'est 40 euros le mois. Le gars, en fin de mois, il touche 40 euros. Donc, en fait, globalement, il faut toujours maintenir un pauvre pour qu'il travaille à coût réduit. Ben, c'est-à-dire que c'est ce système-là qui donne naissance à ce genre de fonctionnement. Mais la chose, c'est que ce système-là est un piège qui se referme toujours sur les auteurs et les géniteurs du système. Et il faut donner aux gens l'espoir et la compréhension que tout cela, en fait, n'est qu'une grande machination, dans le but d'oxyder leurs réflexions et de leur faire croire qu'en dehors du mal, il n'y a pas de fonctionnement de relation basée sur le bien, c'est-à-dire ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Eh bien, il faut leur expliquer qu'il y a des modèles économiques qui peuvent être gagnant-gagnant, tout simplement. Vous voyez l'affaire? Et qui ne sont pas difficiles à mettre en place. Qui ne sont pas difficiles à mettre en place. Et c'est ça qui est important. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient tout de suite avec M. Jean-Philippe Omotunde. Et cette fois-ci, on va embrayer effectivement sur la religion. A tout de suite. Avec les gens même, hein. Mm-hmm. C'est-à-dire que moi, on ne m'a pas dit, j'étais là. Attends, j'ai été responsable de la FAO pour des intérêts africains. Donc le responsable FAO France, le jour où je suis venu dans son bureau, le gars me dit, il ne comprend pas comment j'ai trouvé son bureau. Parce qu'il n'a mis aucune plaque, il n'y a aucune indication. Et il est dans une rue, quand tu achètes le plan du quartier, la rue n'est même pas indiquée dans le plan du quartier. Ok, d'accord. C'est-à-dire, c'est pour ne pas le trouver. Du tout. Et je suis parvenu à le trouver. Tu vois? Traque. Alors, il faut les traques.
De retour sur le plateau de la Grande Édition, on rentre maintenant dans le vif du sujet. On va parler un petit peu du blanchiment de la religion, du blanchiment de la Bible. Et pour que les choses soient claires, ce n'est pas, on n'est pas là sur ce plateau pour offenser qui que ce soit dans leur croyance. Ce n'est pas du tout le but. On parle de faits. De faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes, quand M. Omotunde disait précédemment dans d'autres émissions que les origines de la Bible venaient effectivement de peuples noirs et que c'était spécifié dans la Bible même, eh bien il m'a d'ailleurs montré, puisque vous avez porté la Bible. Est-ce qu'on peut avoir le visuel justement sur la Bible? Par exemple, si on prend la Bible tome, voyez, et on lit la Bible tome au début, ben, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. Est-ce qu'on peut avoir, parce qu'on c'est écrit noir sur blanc, donc voilà, est-ce qu'on peut avoir le visuel? Ne sont pas les vrais textes, et que ça fait l'objet d'une... je dirais d'une réécriture, hein, voilà par exemple ici l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors à la page 21 de la Bible Tob, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement ou pas, ça veut dire copier. Plagier. Bon. Donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananiens, bien des points communs. Mais quand on dit bien des points communs, il y a une chose qu'il faut dire, c'est pas la même date. Parce que quand je prends le texte de l'Égypte, je suis pratiquement 5000 ans, hein, 4 à 5000 ans avant l'arrivée d'Alexandre le Grand. Donc on ne peut pas dire des points communs, parce qu'il y a un ancien texte qui a été copié et qui a donné les versions que nous avons aujourd'hui. Bon, mais regardez ce que la Bible dit. Ce fait n'a rien d'étonnant quand on sait que le pays où Israël s'est installé a été largement ouvert aux influences étrangères et que le peuple de Dieu a été lui-même en relation avec ses voisins. Mais les progrès archéologiques révèlent également que les écrivains bibliques responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de serviles imitateurs, c'est-à-dire des plagiaires, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple. C'est-à-dire qu'on fait une tradition matriarcale transgressée dans le patriarcat. C'est-à-dire une tradition où Dieu crée l'homme et la femme, ça part dans une tradition patriarcale où c'est la femme qui sort de la côte de l'homme. Il faut voir l'affaire, vous voyez ? En fonction, donc retravailler les textes en fonction de leur tradition spécifique, en soulignant du même coup l'originalité de la voix de la foi yaviste. Écoutez la conclusion. Il reste que la comparaison entre les textes bibliques et les récits relatifs à l'origine du monde et aux héros de l'Antiquité ne manque pas d'intérêt. Sauf qu'on ne vous donne pas les textes originaux des Noirs élamites, des Noirs cananiens. Donc, comme on ne vous les donne pas, moi, j'ai écrit un bouquin, Cosmogénèse tome 3, et je vous donne un petit exemple. Lorsque Dieu annonce à la femme qui a été choisie qu'il a eu un fils divin, d'accord ? Et qu'il dit à cette femme-là, donc il y a ce qu'on appelle l'annonciation, il va lui parler, il lui parle. Dans le texte africain, le fils de Dieu qui s'appelle Oussiré, Dieu dit à cette femme: mon fils Oussiré est désormais dans ton sein, ne crains rien à ce propos, tu es celle que j'ai choisie pour m'aider à sauver encore une fois l'humanité malgré eux, Oussiré sera le signe de ma puissance et de ma bonté, ainsi soit-il fait. Vous prenez le texte biblique. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus.
L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mais déjà, l'expression te couvrir de son ombre, c'est une expression de l'Égypte ancienne. Parce que Pianqui, le roi Pianqui, l'a utilisé cette expression. Voyez ? Donc, voyez bien que non seulement c'est intriguant, parce que quand la Bible dit que ce sont les mêmes textes qui ont été retravaillés et transgressés, moi, ce que j'essaye de vous expliquer au-delà de tout ça, c'est qu'au départ, ce qu'on appelle les saints chrétiens, c'était des divinités africaines noires, charbon, vélo, solex. Il faut être très clair. Vous voyez l'affaire ? Et c'est parce que les occidentaux sont des locodermes et les sémites sont des sémites qu'ils ont tout simplement refait les représentations, je dirais, un peu à leur image, en blanchissant, donc toute la Vierge Marie, tout ça, ce sont des personnages qui ont été blanchis. Mais la version blanche n'existe pas en réalité, parce que vous êtes obligé de vous référer à l'original. Et eux-mêmes le précisent. Mais là où c'est fort, c'est que ce que dit la déesse noire est exactement ce que dit la déesse blanche. C'est-à-dire les propos sont les mêmes. Et comme on le sait à partir des textes. Et c'est pour ça que la Bible même dit que la comparaison des récits ne manque pas d'intérêt. Mais elle ne va pas jusqu'à vous donner les récits. Il faut aller les chercher. Maintenant, quand on rentre dans l'analyse technique, parce que il faut bien comprendre une chose. Nous, on est dans une analyse qui est scientifique. C'est-à-dire une analyse technique, une analyse historiographique. À partir du moment où vous êtes sérieux, c'est-à-dire, je ne parle pas de gens qui sont dans la fantaisie ou dans la fable, c'est-à-dire que vous êtes sérieux et que vous analysez le texte par rapport à la chronologie historique et aux faits scientifiques, vous vous rendez bien compte que ce qu'on essaye de vous dire ne tient pas face à la démonstration scientifique. Et je voudrais prendre un exemple, Thomas Romer. Thomas Romer, donc ce serait bien de prendre le temps de l'écouter. Thomas Romer, c'est le spécialiste de l'enseignement théologique à l'université de Lausanne, et c'est lui qui enseigne donc l'Ancien Testament, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il maîtrise l'écriture hébraïque. Donc son enseignement, son explication, sa démonstration, il la base à partir des textes hébraïques. C'est même pas à travers les traductions, déjà au niveau des textes hébraïques. Et quand il analyse ça, parce qu'il est au Collège de France, vous voyez, et c'est lui qui est responsable de l'enseignement théologique et de l'explication maintenant historiographique des choses, vous allez voir que ce qu'il dit est détonnant pour celui qui ne connaît pas. Mais celui qui connaît la problématique historiographique, on se dit, tiens, là voilà quelqu'un qui fait quand même un petit effort de vérité. Donc prenons le temps de l'écouter, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il dit. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous montrez bien à quel point ce texte n'est pas écrit par un seul auteur et d'ailleurs n'est pas un seul texte. Il n'y a pas forcément une unité. Non, il n'y a pas d'unité, c'est vrai. D'où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a écrit la Bible et à quelle époque précisément ? Alors qui, si on pouvait mettre des noms, ça serait bien. On n'a le nom d'aucun auteur parce que justement, ça c'est intéressant, les textes ne sont pas signés. Il y a des textes de l'Antiquité qui sont signés. C'est tous des textes anonymes, en fait. Et puis, les auteurs, ou il faudrait plutôt dire des rédacteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment à l'origine quelqu'un qui invente un texte. Souvent, ça vient des traditions orales. On peut retracer ce chemin, parce que là, on a les méthodes, on peut comparer. Par contre, les noms des auteurs, nous ne les savons pas. Votre approche d'historien vous oblige, en fait, à resituer aussi le contexte et l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. Ça, c'est important. Ah, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas avoir cette idée que la Bible est tombée du ciel. Elle n'a pas été dictée d'un seul coup à Moïse ou à je ne sais pas qui. Justement, la Bible s'est constituée très lentement dans des situations historiques précises. On peut dire que ça commence grosso modo au 8e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, vous avez
avez deux royaumes. Vous avez le royaume d'Israël dans le nord, dont la capitale est Samarie, et pas Jérusalem, puisque Jérusalem, c'est la capitale d'un petit royaume qui s'appelle le royaume de Juda. Donc, c'est pas encore le royaume d'Israël. Et à ce moment-là, ces deux royaumes se trouvent en fait sous domination assyrie. Hein. C'est clair qu'il y a une sorte de réaction à cette présence assyrienne qui fait qu'on a les premières annales, qu'on a aussi des textes qui reprennent les lois assyriennes. On a des textes qui sont construits comme des traités de vassalité assyriens. Donc, d'une certaine manière, on peut même dire que ce sont les Assyriens qui sont à l'origine de la Bible. En quoi les manuscrits trouvés à Qumran en 1947 ont bouleversé en fait l'approche de la Bible, du texte ? Parce qu'apparemment, sur le plan archéologique, c'était majeur cette découverte. Ah, mais tout à fait. Je pense que c'est une des plus grandes découvertes en sciences bibliques qu'on a eues. Parce qu'avant Qumran, en fait, on avait presque pas de manuscrits avant le Moyen Âge. Donc, on n'avait aucune idée de la stabilité de la transmission du texte. Donc, à la limite, on pouvait être très radical en disant. On n'en sait rien. Les textes bibliques, ils ont été inventés à partir de rien, 1er, 2e siècle, on n'en sait rien. Et puis Qumran a montré quand même que au 2e siècle, au moins avant l'ère chrétienne, il y avait une grande partie des textes, presque tous les textes bibliques sont présents à Qumran, par des fragments, pas des rouleaux entiers. Et en même temps, on a vu quand même, en regardant les textes de Qumran avec les grands manuscrits que nous avons ensuite du Moyen-Âge, qu'il y a quand même une certaine fidélité dans la transmission. Il y a des différences, mais en même temps, sur les grands, les narrations, les textes juridiques, ils sont quand même très, très semblables à ce qu'on a après dans les manuscrits. Donc on a... Voilà, donc je dirais que c'est très intéressant ce que dit Thomas Romer, parce que là, on rentre véritablement dans le fond des choses. En ce qui concerne nos textes qui ont été plagiés, je peux vous dire qui les a écrits. Kajemni, Taotep, Merikare, Akhenaton, Ankhchechon. Nous connaissons très bien, et je tiens à dire que les théologiens savent très bien qui est écrit. Parce que les théologiens même ont fait un ouvrage dans lequel ils ont mis, et je l'avais montré lors d'une émission précédente, ils ont mis les papyrus d'Amenemopée, donc Amenhotep, et les textes bibliques qui correspondait à la copie de ces papyrus-là. Donc ça veut dire qu'ils savent. Voyez ? Donc maintenant, on prend le texte d'Amenhotep, on donne donc un autre nom et on l'affecte à quelqu'un dans la Bible, et on se rend compte qu'à la date où on a placé ce personnage-là, il raconte des faits qui émanent de rois qui ne sont même pas encore nés. Donc ça veut dire que l'auteur qui a rédigé connaissait le roi, mais la personne qui a vécu là ne pouvait pas connaître le roi parce qu'il n'est pas encore né. Donc c'est ça qui amène Thomas Sonner à dire finalement, c'est pas qui a écrit. Parce qu'il y a beaucoup d'anachronismes, vous comprenez le problème ? Bon. Maintenant, vous comprenez bien que Thomas Romer ne veut pas réinstaller l'Afrique, parce qu'il ne faut pas oublier que les Sémites sont installés sur un territoire égyptien, c'est-à-dire que Canaan appartient à Pharaon. Il ne faut pas l'oublier. Et que quand on a fait des fouilles, des milliers d'années avant l'arrivée des Hébreux, enfin l'arrivée des Sémites et compagnie, leur installation, on trouve déjà des vestiges hein, qui remontent à avant Narmer, le fondateur, c'est-à-dire Narmer qui a fondé l'Égypte antique en moins 3200. Avant Narmer, on retrouve déjà des palais égyptiens à Canaan. Donc c'est pour vous. Et c'est des Français qui ont fait aussi les fouilles. Hein. Donc on a les documents. Le Figaro a fait une page sur les fouilles réalisées dans la bande de Gaza. Les gens n'ont qu'à taper bande de Gaza fouille. Mm-hmm. Ils verront que le Figaro en a parlé. D'accord. Maintenant, lorsqu'il parle des Assyriens, il faut savoir que tous les peuples de Mésopotamie ont copié et recopié la tradition des Noirs élamites. Ce sont les élamites qui ont inventé le droit. Ce sont les élamites qui ont inventé l'écriture, et donc l'écriture cunéiforme, et ce sont les élamites qui ont élaboré les textes qu'ils vont tous recopier, c'est-à-dire les Acadiens, les Babyloniens, les Assyriens, ils vont tous reprendre les mêmes textes des élamites puisqu'ils n'ont pas de texte. Vous voyez l'affaire ? Et c'est pour ça que Thomas Romer, ça lui donne l'impression que, en fait, c'est par cette courroie de transmission assyrienne qu'on se retrouve avec le texte de la Genèse. Pourquoi il dit ça ? Parce que dans le texte des Élamites, il y a une divinité qui s'appelle Niursag,
voyez, avec Enki. Et comme le péché originel est commis par un homme, il appelle sa femme au secours, et sa femme va sortir de sa côte, voyez, donc ce qu'on appelle Ti, celle qui donne la vie. C'est le plus ancien texte racontant qu'une femme est sortie de la côte d'un homme. Mais sauf que cette femme qui sort de la côte d'un homme, ce sont des divinités. Est-ce que vous voyez l'affaire? Donc, ce texte-là, qui est bâti dans une situation élamite matriarcale, où la faute dans le pays imaginaire du début n'est pas commise par la femme, elle est commise par l'homme, va être recyclée par les patriarcaux quand ils vont commencer à s'organiser en royaume politique, pour devenir la faute est commise par la femme et pas par l'homme. Donc vous voyez bien que la tradition de départ nomade ou matriarcale influe beaucoup sur non seulement la constitution des relations sociales, mais aussi l'appréciation qu'on va porter. Et c'est ça que la Bible appelle retravailler son texte en fonction de sa culture. C'est-à-dire tu prends un texte où tu as l'égalité homme-femme, mais comme ce n'est pas ta culture, tu vas le réécrire en organisant l'inégalité homme-femme. En faisant croire aux jeunes que Dieu a créé la femme de la côte d'un homme, alors que les hommes ont toutes leurs côtes des deux côtés. Vous voyez, si encore l'homme avait une cote en moins quelque part, on aurait pu cautionner ce texte qui n'a ni queue ni tête. Mais tout le monde voit bien que l'homme a le même nombre de cotes de côté. Alors on va vous dire, oui, il a fait repousser la côte. Vous voyez, puisque comme on est dans le fantasmagorique et qu'on raconte n'importe quoi, donc naturellement ce genre de texte, c'est la porte ouverte au n'importe quoi. Mais sauf que quand vous commencez à regarder les textes anciens, il n'y a pas ce genre de délire. C'est-à-dire que les textes n'ouvrent pas la porte à du délire imaginaire. Parce que les choses sont carrées. C'est fondé sur la sagesse et l'harmonie. Donc il y a un côté vraiment très réglementé. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que le corpus vient du fin fond de l'Afrique. Vous savez que là où l'homme est né, les ancêtres ont appelé cette terre-là Tanetcher. Tanetcher, ça veut dire la terre sainte. Et l'homme n'a pas cherché à faire un dieu descendre du ciel. Il s'est dit simplement que si tout ce qu'il y a sur terre a un créateur, en étudiant simplement le fonctionnement de ce qu'il a créé, on arrivera à comprendre ses valeurs axiologiques. Et c'est cette étude-là qui leur a permis de comprendre ça. Maintenant, quand les autres peuples ont vu qu'il y avait une avance théologique de l'Afrique, on a transformé la tradition africaine en animisme. Mais regardez la supercherie. L'animisme, c'est quoi? C'est considérer que dans un arbre ou dans un cours d'eau, voyez, vous avez la présence du divin. Mais la question, c'est qui a créé l'arbre et qui a créé le cours d'eau? C'est pas le divin, c'est pas Dieu. Donc c'est même ridicule d'aborder la chose sur cet angle-là, puisque l'arbre même, c'est le fruit de la création, et la création, c'est le fruit de l'œuvre divine. Est-ce que vous voyez la chose? Et c'est pour ça que si vous prenez Totem et Tabou, écrit par Sigmund Freud, Sigmund Freud a dit dans Totem et Tabou que le système religieux le plus puissant, le plus valable scientifiquement parlant, c'est l'animisme. Lui-même l'a dit, hein, et il a fait tout un discours sur l'animisme pour expliquer que c'est véritablement le système religieux le plus puissant. Sauf que quand nous avons analysé les choses à l'école diopienne, véritablement, parce que jusque-là ce sont les étrangers qui parlent de nous, mais nous on n'a pas encore ouvert vraiment la parole pour dire mais voilà en fait comment nous percevons les choses. En fait on s'aperçoit que nous, on n'est ni monothéiste ni polythéiste, on est dans une forme de mono-originisme. C'est-à-dire, c'est quoi le mono-onégénisme? C'est-à-dire de considérer qu'au départ, il y a eu un créateur qui s'est démultiplié dans tous les éléments de sa création. Et comme chaque création a une forme de vie qui émane de lui-même et qu'il est l'animateur de toutes les formes de vie, donc chaque forme de vie étant reliée à sa vie première, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'un qui est devenu multiple, et la somme du multiple n'est que l'un. C'est-à-dire, si on prend la totalité de tout ce que Dieu a créé, ça égale Dieu. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et c'est à partir de ce moment-là que comme il y a sa force ontologique dans toutes les composantes de la création, eh ben tout simplement, il n'y a pas une voie pour aller vers lui, mais il y a autant de voies qu'il y a de choses qui ont été créées par lui. Vous voyez l'affaire? Et ce genre de conception est difficile à percevoir pour ceux qui organisent la binarité. Ça veut dire la binarité, c'est quoi? S'il y a le bien, il y a le mal. Donc quand il déclare « moi je suis le bien », forcément toi tu es le mal, même si tu lui as rien fait, il ne te connaît pas, c'est la première fois qu'il te voit, mais il déclare qu'il est le bien. Toi, tu lui as rien fait, tu sais même pas d'où il vient, et tu fais que voir qu'il te met en joue sur un fusil, il t'abat parce que tu es le mal. Vous voyez bien que ce genre de vision n'a entraîné que des dérèglements dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, dans la tradition africaine, la chose est beaucoup plus complexe que ça.
La chose, elle est complexe. Pourquoi ? Parce que le mal n'a pas d'intérêt à tuer le bien. Pourquoi ? Parce que si le mal tue le bien, le mal s'est tué lui-même. Parce que qu'est-ce qui permet au mal de savoir qu'il est le mal ? C'est le bien. En absence du bien, le mal ne sait plus quelle est sa valeur. Donc c'est pour ça qu'on rentre dans un territoire de réflexion qui s'appelle la complexité. C'est-à-dire que le mal a besoin du bien pour révéler qu'il est le mal, comme le bien a besoin du mal pour révéler qu'il est le bien. Mais l'un n'a pas l'intérêt à supprimer l'autre, parce que supprimer l'autre vient à se supprimer lui-même. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Et c'est là qu'on est dans le territoire de la complexité, dans la réflexion. Et la chose après, c'est que c'est une ouverture scientifique. Et c'est ça qu'il faut véritablement comprendre. Donc, la chose, c'est que quand Thomas Romer parle, il aborde le phénomène sous le volet de la branche purement mésopotamienne. Mais il y avait la branche africaine, pour laquelle on a beaucoup plus de documents qu'il ne peut pas ignorer. Mais là, il y a un parti pris géopolitique qu'on peut arriver à comprendre. Mais pour ceux qui l'ont dit déjà, ça permet d'avancer dans la réflexion et de comprendre un certain nombre de choses. Maintenant, il y avait un deuxième document que j'ai amené qui est assez intéressant dans la façon dont le chercheur analyse la problématique historique. Ça vaut le coup de le regarder. On y va. La croyance en l'au-delà ne s'est pas seulement propagée à la nouvelle classe moyenne émergente. De l'avis de certains experts, le livre des morts est même allé jusqu'à influencer les textes sacrés juifs et chrétiens. La vision de l'au-delà des premiers chrétiens était en grande partie issue de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs logique, parce que la plupart des pères de l'Église chrétienne étaient égyptiens de naissance. Au moment de rédiger des écrits sur la nature et la substance de l'au-delà, ils se sont référés à des concepts égyptiens, parce que la Bible laissait bien des points sans réponse. L'idée de pouvoir passer sa vie après la mort avec des êtres chers, dans un bel endroit, est commune au christianisme et aux croyances égyptiennes. L'iconographie chrétienne, elle-même, ne serait pas sans rapport avec l'ancienne Égypte. Quand on étudie l'histoire du Nouveau Testament, il apparaît clairement que la religion de Jésus entrait surtout en concurrence avec le culte d'Isis et d'Osiris et de leur fils Horus. Beaucoup des premières représentations de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus sur ses genoux sont inspirées de statues d'Isis portant le pharaon, son fils symbolique. L'un des premiers à remarquer cette corrélation n'est autre qu'Ernest Wallis Budge. Le fait est que les Égyptiens croyaient en un dieu, Osiris, qui vécut sur terre où il connut une mort horrible, puis ressuscita d'entre les morts. Il ne fait aucun doute que les idées et représentations religieuses de certaines sectes chrétiennes découlent directement des Égyptiens. Voilà, donc là, c'est intéressant ce document. Là, pourquoi ? Parce qu'on voit bien que c'est le moment où il y a eu chevauchement. C'est-à-dire qu'il y a l'ancienne tradition dans laquelle il y a déjà tout. C'est-à-dire tout ce qui va constituer la révélation est déjà établi. Donc le problème maintenant, c'est quoi ? Si Jésus est celui qui amène la révélation, la vie éternelle, le royaume de Dieu, l'existence de Dieu, tout ça, et que si tout ça existe déjà par écrit, et que les textes sont les mêmes, comme le dit la Bible Tom, c'est-à-dire qu'on découvre que tous ces textes-là étaient déjà écrits, la question c'est, la révélation, c'est une fake news. Vous comprenez ce que je vous dis par là ? Parce que révéler, c'est annoncer ce qui n'existe pas. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qui n'existait pas dans la révélation ? Parce qu'il y a beaucoup de choses même que la révélation a oubliées, et qu'elle n'a pas dit, à commencer par le fait qu'il y avait 42 commandements et pas 10. Vous voyez l'affaire ? Et il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées, et on voit bien qu'en fait, ces gens, c'est le moment où les Occidentaux ont découvert cette tradition. Vous voyez l'affaire ? Et qu'ils ont fait cette tradition, leur tradition, qu'ils ont placé à ce moment-là un repère historique disant que nous arrivons et nous entrons dans l'histoire, à ce moment-là. Vous voyez ? Parce qu'on a fondé notre unité, parce que jusqu'à présent, les cités grecques étaient organisées en clans. Chaque cité avait sa divinité. C'était le polythéisme grec, le polythéisme romain. Mais là, ils ont fondé une unité sur la base d'une théologie qu'ils ont découverte en Afrique. Donc ils disent, là maintenant, on commence à se constituer véritablement en tant que force
politique, c'est-à-dire que tous les peuples européens maintenant vont s'organiser autour d'un seul Dieu et nous allons l'imposer par les armes. Et c'est ce qu'a fait l'Empire romain, c'est-à-dire on a imposé cette unique-là par les armes. Et après on a été l'imposé par les armes aux autres à l'époque de l'esclavage, la colonisation et autres. Et ça a été fait par les armes, il faut quand même être un petit peu sérieux. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Donc maintenant le problème de fond, c'est que ce qui a été accompli par les armes ne peut pas avoir été accompli pour Dieu. Là il y a un petit problème qui passe pas. Vous voyez l'affaire ? Parce que ça veut dire que nous allons légitimer l'aliénation culturelle, l'escroquerie, le mensonge et le brigandage organisé. Vous voyez, c'est-à-dire par là, c'est là où il faut se fixer des limites. Et je pense que la chose, c'est que nous respectons les cultures de tout le monde. On va respecter la tradition de l'Indien, on va respecter la tradition de l'Européen, on va respecter la tradition de tout le monde, mais on aimerait que tout le monde respecte aussi la tradition africaine. Vous voyez, c'est-à-dire qui est la maman qui a donné naissance à toutes les traditions. Et que si la maman n'était pas là, il n'y aurait pas eu les enfants. Vous voyez ? Donc il faut apprendre aussi à respecter l'Africain. Et il faut que l'Africain aussi, sur le plan de la spiritualité, de la théologie, apprenne à se respecter. Et c'est ça, je dirais, c'est là où commence le début d'une nouvelle ère d'échange dans les rapports Nord-Sud. Merci beaucoup Jean-Philippe Omotunde, en tout cas pour cette intervention encore une fois ce soir. On se retrouve très prochainement pour la suite de ces analyses. On va parler aussi de géopolitique actuelle parce que ça bouge beaucoup du côté de l'Afrique en ce moment. Donc on se donne rendez-vous très prochainement. Chers téléspectateurs, la grande édition n'est pas terminée. Retrouvez Yves Boisset pour Politiquement Vôtre. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30.